Berge de l'île au quart, 8h45. Le corps d'une femme, petit gabarit. Peut-être une jeune femme ou une jeune fille. Entre 15 et 20 ans. Déposé soigneusement comme une mise en scène. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un nouvel enquêteur nous est détaché. Naturellement, il prendra la place de Bernard Mérieux. Ils n'ont pas traîné. C'est quelqu'un qui arrive tout juste de Marseille, des quartiers nord. Un bran qui se fait mettre au placard. Ce service n'est pas un placard, commandant Avicenne. Et si vous avez le moindre doute sur la question, vous pourrez passer me voir dans mon bureau pour discuter de vos responsabilités dans cette antenne. Je vous présente le capitaine Margot Devron, qui arrive, comme je vous le disais, de Marseille et qui rejoint notre équipe à la crime. Bonjour. Je vous présente le commandant Avicenne, qui est le chef du groupe. Commandant. Le lieutenant Varlin. Raymond, pour les intimes. Enfin, la brigadière Jacquemin, qui a rejoint le groupe crime il y a quoi, un an? Un an tout juste. Lieutenant Varlin. On a une disparition inquiétante de mineurs sur les bras. Merde, une mineure? Ouais. Et depuis quand on s'occupe des fugueurs, ici? Ordre du parquet, je n'en sais pas plus. Vous vous êtes entretenu avec la mère? Oui. Alors, première chose curieuse... Elle a appelé le commissariat pour signaler la disparition ce matin à 8h45, alors que la petite aurait disparu hier soir aux alentours de 18h30. Elle n'est pas chez son père? Non, pas de père. Enfin, je crois. Pourquoi elle a appelé que ce matin? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je lui ai pas demandé. Non mais elle était au plus mal. C'est con, j'étais crevé, je venais de voir le corps sur l'île au quart. Ok, j'ai merdé, j'aurais dû lui demander. Commandant Avicenne, vous travaillerez avec le lieutenant Varlin sur le corps retrouvé sur les berges de l'île au quart. Alizé et Margot, vous allez mettre les bouchées doubles sur la disparition de la petite Evenstein. Des questions? Commissaire, avec votre accord, je voudrais que le capitaine Devron assiste à l'autopsie. Vous devez avoir l'habitude des macabres à Marseille. Je ne peux pas vous dire à quand remonte le décès. Je ne veux pas que vous m'épreniez sur mes compétences, capitaine. C'est la première fois que cela m'arrive. Qu'est-ce qui empêche de... Le corps qui m'a été déposé a été congelé. C'est tout ce que je peux affirmer sur la chronologie des faits. Cette femme est morte ailleurs, à un moment X. Elle a été congelée, puis déplacée jusqu'au bord de la Loire où on l'a découverte. Merde. Je ne vous le fais pas dire. Enquête de voisinage. Ça n'a rien donné. Pareil, on peut élargir. Ouais, on va élargir. Margot, je veux que tu t'en charges. Je suis pas d'astreinte dimanche. Maintenant, tu l'es. Camille, je suis seule avec ma fille et on a une gamine insulinodépendante de 12 ans qui vogue dans la nature et t'es en charge de l'enquête. Ici, c'est pas Marseille. Quand un gamin disparaît, on n'a pas 200 collègues en renfort. Alors tu prends tes dispositions et tu fais ce que je te dis. Les résultats ADN sont tombés. On n'a rien. Strictement rien. Sur tout ce qu'ils ont examiné, que ce soit les vêtements, le sac ou même les fleurs, il n'y a pas un fragment d'ADN qui appartient pas à la victime. Pas facile au début à Avicenne, n'est-ce pas? Il est comme ça avec tout le monde. C'est un vieux chien. Il marque son territoire. Pardon? C'est un vieux chien. Il n'aime pas qu'on change ses habitudes. Et il a un besoin frénétique de pisser sur les murs. Jade, c'est maman. Je vais devoir travailler samedi, je suis désolée, il y a deux grosses affaires qui sont tombées. Je sais, je suis désolée, chérie. Ça a été le collège aujourd'hui? Admettez que cette initiative permet une avancée notable sur votre enquête, commandant. Elle m'a désobéi. On est allé là-bas pour enquêter sur Abigaël. Ne prends pas pour un con, Jackie. Je sais très bien que c'est la Marseillaise qui t'entraîne là-dedans. Mais cette fille disparaît le soir où un corps est déposé sur les bords de Loire et où une fillette se volatilise du domicile familial. Vous n'allez pas me faire croire que tout ça n'est qu'une coïncidence. Lieutenant Varlin, passez un coup de fil à la BAC de ma part, vous leur dites que cette recherche est une priorité maximale. On a reçu le compte-rendu de Langereau. Je vous l'ai mis avec mon propre rapport, commandant. La dissection confirme sa première hypothèse. Pour lui, elle est morte d'hypothermie. Elle est morte congelée. Vos observations étaient justes, capitaine Devron. Madame Evenstein n'a pas un rythme de vie ordinaire. Et pour une raison très simple. C'est la maîtresse officielle de monsieur l'ambassadeur d'Israël. Ils tiennent tous deux à ce que cette affaire reste à discrétion. La diplomatie a ses raisons. Que la raison ignore. Mancini accepte de nous laisser les deux enquêtes à une condition. Il veut que ce soit le capitaine Devron qui prenne la direction des opérations. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Vous avez parfaitement entendu. Non mais qu'est-ce que j'entends? Commandant, calmez-vous. Qu'est-ce que t'as fait Devron pour récupérer ça, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Camille... Tu peux nous dire ce qui t'amène ici? Hein? Qu'est-ce que t'as fait pour être muté ici du jour au lendemain? Réponds-moi Devron! Qu'est-ce que t'as fait? Commandant, arrêtez. Commandant, ça ne remet pas en cause vos compétences. Qu'elle nous dise un peu comment une... brillante capitaine des quartiers nord de Marseille se retrouve mutée dans la jolie petite ville de Tours. Vous demandez pas, vous autres? Hein? Allons, tu te demandes pas, toi, hein? Deux agents de la sécurité intérieure sont dépêchés sur place pour nous épauler dans les enquêtes. Nous épauler ou nous chaperonner? Nous verrons bien. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Les directives viennent d'en haut, tout en haut. Je reconnais tout de même qu'elle est forte, Margot. C'est une femme surtout, ça change tout. Camille, ça fait 2 heures qu'on y est, on n'en a rien tiré. Elle arrive, et en 2 minutes, la fille vide son 5. Et alors? Qu'est-ce que ça prouve? 2 choses. La première, elle est forte. La deuxième, t'es une tête de mule, mais ça, on le savait déjà. Je vous présente le commandant Motrel, capitaine Fargelès de la sécurité intérieure. Ils arrivent de Paris pour nous épauler dans les enquêtes et dans la recherche de la petite Abigail Evenstein. Messieurs, soyez les bienvenus. Le capitaine Devron qui dirige la recherche ainsi que la seconde enquête que j'évoquais. Bonjour capitaine. Madame. C'était la PJ d'Angers. Ils ont un cold case qui matche avec nous. Une affaire non résolue. L'histoire est un monstre rugissant. L'entendez-vous rugir ce monstre? En 98, ils ont retrouvé le corps d'une jeune fille de 11 ans, nue, avec ses affaires dans un sac à côté, toutes pliées, toutes rangées, les bras repliés sur le ventre, un bouquet de fleurs entre les mains, tout comme l'inconnu de l'île au quart. Au-delà du temps et de l'espace, l'entendez-vous hurler? En 1998? Il y a 15 ans. Ils n'ont jamais trouvé le coupable. C'est le rugissement du monstre qui nous effraie, ce sont ces hurlements, alors qu'en vérité, ce sont ceux-là même qui devraient nous rassurer. Messieurs, dames, nous aurions donc 3 affaires. L'une remontant à 1998, et les 2 autres à la semaine dernière, qui seraient liées entre elles par un dénominateur commun qui reste à définir. Nessim Sheikh, le père d'Abigail, a été en poste à la mairie de Tel-Aviv de 1993 à 1998. Je vous laisse deviner quel événement a eu lieu à Tel-Aviv en ce beau mois de juillet 1996. Un attentat. Le monstre est celui que l'on montre, celui qui est à l'extérieur de nous et que l'on peut désigner. Il est au banc de l'humanité, et en cela, il aide l'humanité à se définir. Au-delà de cette frontière, c'est le monstre. Nous ne pouvons nous exprimer qu'au conditionnel. Tout ceci restant encore à démontrer, gardons-le en tête. Le mercredi 5 août 1998, le corps de la petite Elisa, 11 ans, est retrouvé nu sur les bords de Loire, disposé parallèlement au fleuve, les pieds vers l'ouest. Les coïncidences sont troublantes. Mais au moment précis où je vous parle, ce ne sont encore que des coïncidences. Tout au plus, des hypothèses. Mais à la vérité, mes chers amis, ce monstre que l'on voulait pointer du doigt est désigné loin de nous. À la vérité, ce monstre, c'est en nous qu'il siège. Elisa est apprêtée, coiffée, maquillée. Ses ongles de main sont vernis, elle a les bras repliés sur le ventre et elle tient un bouquet de fleurs. Ce serait le même homme? C'est possible. Mais vous le savez parfaitement, vous ne vous y trompez pas. À minima, quelqu'un qui connaît le dossier Caron dans le détail. Vous évoluez à cette frontière intime, nichée dans vos entrailles, qui sépare votre propre humanité de votre propre monstruosité. Dame Ramakabim. Pardon? Les fleurs de Macchabée. Quoi? Avouez que le mec a de l'humour. Connaissez-vous l'origine du mot Macchabée, commandant? Non, mais j'ai l'impression que vous allez me l'apprendre. Nous sommes semblables, capitaine, bien plus que vous ne voulez l'admettre. Vous et moi avons un monstre qui sommeille en nous. Les Macchabées étaient une famille de rois juifs qui reprirent la Judée aux armées syriennes d'Antiochus IV au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ils libérèrent leur peuple de l'oppression qu'ils subissaient sous le joug du tyran hellénique. Les Juifs libérés considérèrent alors que les Macchabées avaient rapporté la lumière sur la Judée. Ça nous fait une belle jambe, tiens. Depuis ce jour, le peuple juif continue à célébrer cette victoire lors d'une soirée très particulière, très importante pour les Juifs, car elle symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres. Sommes-nous si différents, vous et moi, capitaine? Le premier soir de Hanouka, qui en compte 8, a symboliquement lieu le soir du solstice d'hiver, cette date où tout bascule, puisqu'à partir de celui-ci, les jours se rallongeant, la lumière l'emporte sur les ténèbres. Que votre chagrin prenne place en vous, comme il a envahi ma chair autrefois. Cette année, par exemple, le premier soir de Hanouka a été célébré par les Juifs du monde entier le 28 novembre. Oh merde. Jeudi dernier. Le soir de la disparition d'Abigail. Hâtez-vous, et peut-être arriverez-vous à temps pour mettre un terme à cette petite histoire insignifiante venue défier la grande histoire. Ce même soir où un homme a délicatement déposé le long d'un fleuve un corps apprêté avec soin qui tenait entre ses mains un bouquet de fleurs de Macchabée. Bonjour, je suis Grégoire Cuvier, je suis l'auteur et le metteur en scène du Théâtre de chair et des Fleurs de Macchabée dont vous venez de voir une bande-annonce. Les Fleurs de Macchabée, c'est un spectacle, c'est un polar théâtral qui plonge ses racines dans l'univers des séries policières et des films et du roman noir. Mais en réalité, c'est plus qu'un spectacle. C'est un véritable événement que nous vous proposons d'accueillir dans vos lieux. Un événement parce que ce que vous venez de voir est la bande-annonce d'un spectacle qui, dans sa version intégrale, entr'acte inclus, durera environ 9 heures. 9 heures de spectacle porté sur scène par 8 acteurs. 9 heures de spectacle pendant lesquelles nous allons embarquer ensemble les spectateurs dans un grand récit policier qui se déroule sur une vingtaine d'années à cheval entre deux continents et qui, partant de deux faits divers, va prendre une ampleur inattendue. Avec les Fleurs de Macchabée, on voyage dans le temps, entre 1996 et 2015, et on voyage dans l'espace, partant de Tours et allant jusqu'à Tel Aviv, en Israël, pour se retrouver face à nous-mêmes avec ces deux questions ouvertes. Jusqu'où peut me mener mon besoin de justice? Quelle est ma propre part de monstruosité? Deux questions qui, au final, et c'est le grand thème de la pièce, se résument en une seule. Quel monstre mon besoin de justice peut-il faire naître en moi? Avec le Théâtre de chair, nous travaillons depuis plusieurs années sur la part d'ombre qui sommeille en nous. Ce qui nous amène assez naturellement, conjugué à notre goût des histoires et des intrigues, au polar. Le polar, comme un miroir à tendre à notre humanité pour qu'elle se contemple dans sa complexité. Le polar, comme un miroir qui, à l'instar d'un James Ellroy ou d'un Karyl Ferré, met l'être humain face à sa part de ténèbres. Pour travailler l'espace de ce récit, j'ai proposé à Camille Duchemin de concevoir la scénographie et la lumière de ce spectacle. Voici un croquis de l'espace de jeu principal, et je vais lire quelques mots de Camille pour présenter le dispositif. L'enjeu de la scénographie est de suivre la fluidité du récit et de garder la force et l'énergie du suspense. Les scènes se déroulent en majorité dans un commissariat qui est donc l'espace central, un bureau avec une lumière zénitale très blanche et le centre de l'espace. Sur les côtés des possibilités d'autres espaces, salles d'interrogatoire, morceaux de couloir, Les fenêtres du commissariat donnent sur des espaces vides qui, par un jeu de toiles imprimées en grand format et de lumière, permettent de jouer les différents espaces du récit, comme dans un décor de cinéma. Des stores ferment les fenêtres ou les ouvrent et permettent de passer facilement d'un espace à l'autre. La scénographie est mobile et assume le côté studio de cinéma en montrant les artifices. L'artifice est visible, mais permet d'évoluer de manière fluide dans plusieurs ambiances. Les éclairages appuieront ce dispositif et dévoileront de grandes lumières projetées et de grandes ombres franches afin de garder des recoins sombres et des éclairages très tranchés, comme dans une ambiance des films des années 40. Ce dispositif scénographique sera renforcé par un dispositif vidéo. Les images seront projetées sur les différents éléments scénographiques et les toiles peintes évoquées par Camille pourront devenir des espaces de projection. La vidéo sera utilisée de deux manières différentes dans le spectacle, bien que dans les deux cas, les caméras seront manipulées par les acteurs et les actrices eux-mêmes sur scène. Le premier usage de la vidéo sera très fonctionnel. Retransmission en direct d'interrogatoire, vision-conférence entre membres de l'équipe ou entretien avec des collaborateurs. L'autre usage de la vidéo sera d'une toute autre nature. Pour vous en dire plus, je dois un peu spoiler la pièce. Le troisième des quatrièmes actes qui composent l'intrigue rompt avec la continuité dramaturgique. Durant ce troisième acte, on rentre dans la tête d'un homme au moment où il bascule dans la monstruosité. C'est un acte de rupture où on plonge dans l'histoire du tueur, de son trauma originel à son premier meurtre accidentel, puis au second, fonctionnel, pour arriver au suivant, symbolique. Et pour opérer ce changement de point de vue sur scène, le code de jeu va basculer radicalement. Le plateau se vide et tout ce qui s'y déroule durant cet acte sert à créer une image retransmise en direct. Si au plateau, tout semble confus, à l'image, une scène se révèle. Comme la transposition de ce qui se passe dans la tête de l'homme, une allégorie des ravages intimes qui l'accablent. Je vous montre un exemple. Nous avons ici, sur le plateau, un homme assis qui tient le dossier d'une chaise. Il est entouré de deux autres personnes qui tiennent un morceau de verre, une raclette et un spray. Et bien pourtant, au-dessus, nous avons un homme au volant de sa voiture un soir de pluie. Le troisième acte se déroule dans ce code narratif-là et glisse progressivement vers un retour à la normalité, c'est-à-dire pour la mise en scène, au code de jeu déployé lors des deux premiers actes, pour laisser place à la quatrième et dernière partie qui nous fait revenir du côté des enquêteurs. On reprend le cours de l'histoire laissé en suspens à la fin du second acte et on mène le récit à son terme, l'enquête à son dénouement. La musique originale sera composée par Alexandre Saada et ce sera le seul élément préenregistré intégré à la pièce. Tous les autres matériaux vidéo et sonores, comme les messages téléphoniques, les visioconférences, les enregistrements d'audition qui ressurgissent du passé ou bien encore les appels et les messages téléphoniques, tout ce matériel sonore et ou visuel sera créé en direct, à vue, avec un dispositif de micro et de caméra intégré au décor et manipulé par les interprètes. C'est pour moi une des choses les plus magiques au théâtre que ce paradoxe. Plus les artifices sont dévoilés, plus la magie opère. Les actrices et acteurs seront amplifiés par des micros à chef, ce qui, en plus de préserver la continuité sonore de l'espace entre parties filmées et parties non filmées, permettra de développer un jeu plus nuancé, où les scènes intimes entre les différents protagonistes pourront être jouées tout en sensibilité, l'ensemble nous rapprochant d'un jeu plus fin, plus cinématographique, plus cohérent en fait avec l'univers et les références de la pièce. Pour accueillir ces 9 heures de spectacle, il y a plusieurs scénarios envisageables, allant de la version intégrale sur une seule journée, ce fameux événement, au découpage en épisodes accueillis en mutualisation sur plusieurs lieux. Et je vous invite à nous solliciter, Aurélie Dieu, l'administratrice de la compagnie, et moi-même pour en discuter. Tout est possible, il suffit d'ouvrir le dialogue avec nous. Vous pouvez aussi consulter la fiche prévisionnelle, le texte et le dossier du spectacle. Alors, vous n'êtes pas avec nous aujourd'hui, donc vous n'avez pas pu repartir avec le texte, mais n'hésitez pas à nous le demander ou on vous l'a peut-être déjà envoyé par mail. En tout cas, ce texte, procurez-le vous, auprès de nous, auprès d'Aurélie, auprès de moi. Lisez-le, prenez ce risque. Vous passerez un bon moment déjà. Et puis, en discutant, nous allons bien trouver un moyen de les faire tenir ces 9 heures de spectacle dans vos lieux. Je voudrais finir sur un pourquoi. Pourquoi oser faire ce choix audacieux de programmation? Pourquoi se donner la peine de rassembler en un lieu un public, nombreux, on l'espère, pour assister à un spectacle de 9 heures? Il n'y a pas une seule réponse, bien sûr, et en réalité, cette réponse vous appartient. Mais j'en vois une qui me semble faire sens et que je souhaite partager avec vous. Rassembler un public autour d'un grand récit à partager, c'est convoquer l'humanité qui nous relie les uns aux autres à travers les mythes qui nous fondent. Convoquer ce qui nous fédère lors d'une journée particulière qui restera pour les publics un événement fort et marquant de leur vie de spectateur. Partager une expérience forte collectivement, c'est faire communauté. C'est là, je crois, tout l'enjeu de ce pari de programmation, faire communauté. En ces temps de troubles, de divisions, de doutes, c'est affirmer une conviction. Celle que le monstre, qui se révèle parfois dans l'individu tourmenté, se dissout dans la communauté. Merci.